Le pronostic du Parisien, 9, 4, 17, 14, 3, 12, 7, 8 non partants, le 10. Les trotteurs français vont-ils devancer les étrangers sur un parcours de vitesse? La probabilité semble importante à la lecture des partants. Si Afghan Barbé, N degré 9, vient de se faire coiffer sur le poteau par une excellente usage Ocelin, absente, l'élève de Christian Bigeon ne se fera pas surprendre deux fois de suite. Sa forme est sûre et le parcours des 2100 mètres lui convient parfaitement. Sans doute est-il même un peu plus performant sur celui-ci. Dans ces conditions, il semble représenter un favori tout indiqué et il ne sera pas évident de le devancer, même avec ce numéro 9 derrière l'Autostar. Attacus sur plus court. Dur à l'effort, Attacus, N degré 4, n'est pas forcément avantagé par ce parcours de vitesse mais il a déjà montré de belles choses sur les courtes distances, notamment cet été à Enghien. En bonne forme, il ne faut surtout pas l'oublier pour les places, d'autant qu'il a hérité d'un très bon numéro. Bakchiche pour pimenter les rapports. Cheval de qualité, Bakchiche, N degré 17, n'est pas le plus confirmé sur les parcours de vitesse. Toutefois, sa seule tentative sur ce genre de distance, le 16 août à Enghien, s'est soldée par une victoire. Sur 2100 mètres, il faut avoir de la tenue. Cela tombe bien, Bakchiche en possède beaucoup. Bel avis avec des interrogations. Si Bel avis, N degré 14, a laissé une grosse impression dans la finale du Grand National du Trot, le 3 décembre, il a ensuite laissé planer quelques doutes lors de sa dernière sortie, dans le rang des amateurs, le 26 décembre. Seulement déféré des antérieurs, il paraît compliqué de le voir gagner mais une place demeure dans ses cordes. Où sont les étrangers? Finalement, peu de chevaux étrangers seront au départ de la course, 5. Toutefois, il faudra se méfier de Caïn Griff, N degré 3, français d'origine mais entraîné par Daniel Redén en Suède et drivé par Örjan Kihlström. Le second atout de l'entraîneur scandinave, In 25, N degré 12, peut également jouer un bon rôle, même s'il effectue une rentrée. Enfin, n'oublions pas les françaises Une Euro Montaval, N degré 7, et Cobra Bleu, N degré 8.